passer une frontière miraculeuse. Nous partons à Lunas, dans l'Hérault, avec Eric Bouchetot et Emmanuel Copeau. C'est un village au Languedoc où coulent 29 sources différentes. Une d'entre elles retient depuis très longtemps l'attention des gens de la région. Pour y accéder, il faut de bonnes chaussures de marche. Nous sommes à peu près à 2 km 500 du village et nous y arrivons par cette petite route donc, qui longe toute la vallée. Et nous sommes près d'un site très particulier que les Lunassiens affectionnent beaucoup, qu'ils appellent la fontaine des yeux. Un mince filet d'eau qui guérirait les maladies de la vue. L'explication, elle est comme souvent dans le mystère, hein, et dans le miracle, parce que cette source est souvent qualifiée de source miraculeuse. Le rite veut qu'on s'humidifie les yeux à l'aide d'un mouchoir. C'est pas tellement incroyable, mais c'est pas la source, parce que mon village depuis que je peux faire du monde, avec mon père, ma mère, mon pèlerin, pèlerinage. Je crois beaucoup au niveau saint. Je crois beaucoup qu'on peut, en priant, avoir une aide. Voilà, je ne sais pas si sur mes yeux, parce que j'ai des problèmes de vue. La croyance veut qu'on laisse ensuite le mal avec son mouchoir sur place. C'est un signe, comme quoi on est passé et qu'on a prié, quoi, en fait. Cette fontaine était connue des locaux. On s'arrêtait avant d'aller en pèlerinage à Notre-Dame d'Invis. Au départ, c'était un petit peu comme ça pour les locaux. Et puis, c'est devenu régional, et puis maintenant, c'est presque national que l'on parle de la fontaine des yeux. Donc, il y a énormément de gens, il y a même des étrangers qui demandent la fontaine des yeux. Un succès qui ne se dément pas. Les villageois convaincus y passent très régulièrement. Je vais chercher de l'eau pour remettre en personne la vie dans mon village. Ça ne coûte rien de tenter. Mais sur quoi on pose cette croyance? Sur les amis chinois? Sur pas grand-chose? Il n'y a aucune particularité qui montre que cette source a des particularités. Le frère de la chapelle plus proche préfère, lui, insister sur les bienfaits supposés de la fontaine. Tout le monde n'est pas guéri, mais j'ai beaucoup de témoignages comme quoi les gens ont été soulagés. Plus il y a de monde qui vient, plus l'économie locale se porte bien. Et on veut développer l'économie locale à partir de nos lieux patrimoniaux qui sont assez exceptionnels dans les hauts cantons et assez méconnus. Un patrimoine languedocien, riche de ses traditions ancestrales et de ses mystères bien intrigants. De refermer ce journal, un mot de la bourse, elle est calissable. Alors qu'il est moins 0,07%. À suivre, c'est la météo d'Elia. À 20h, vous retrouverez Gilles Boulot. Nous, on ne boude pas notre plaisir. On retourne à Lyon, où sera lancée ce soir la fête des Lumières. On a vu les répétitions tout à l'heure. Voici encore quelques images. Le spectacle est absolument magnifique. Bon après-midi, à toutes et à tous, et à demain, 13h. Aujourd'hui, Noël majestueux sur TF1. Tout de suite, inédit, Noël avec l'ambassadeur. La décoratrice du bal de charité. Est-ce qu'on pourrait arrêter tout ça? Comment vous pouvez imaginer un bal de charité de Noël sans aucune décoration? Bon, puisque vous êtes là, profitez-en pour m'aider. Et à 15h40, Noël avec le témoin amoureux. Tu trouves pas que c'est merveilleux, Noël? Mon mariage, l'une de mes choses préférées. T'as pas envie de ça? Le grand amour, la passion.
de romantisme. Oui, j'ai dû en avoir envie. Qu'est-ce que ça m'énerve? Il n'y a que ça. New Amsterdam, c'est pour inédite. Moi, cuisine si bien grâce à moi. La nouvelle boîte diminutive de Tefal. Mon thermosignal change de couleur pour indiquer quand démarrer la cuisson. Et mon revêtement anti-rayure est le meilleur. Il n'en craint aucune spatule. Et voilà, en ce moment, cuit à la perfection. Tefal. On va manger dans le noir ? Tout à fait. Moi, je trouve le foie gras juste parfait. Je trouve qu'il est goûteux. C'est onctueux. Gourmand tout en étant léger. J'en veux pas, ouais. Si vous en avez, ça me rappelle mon enfance. Moi, c'est une belle découverte que prend ça. Un bon produit. Aux personnes que vous aimez. Mais c'est qui le Père Noël qui commande les cadeaux? Dites que vous n'êtes pas des cafés.
Comme vous ne pouvez rien faire. Sauf peut-être.